Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. C'est pas un exercice que je fais souvent, mais pourquoi pas. Pourquoi pas pour vous surtout, pour vous donner peut-être des petites, des envies, des idées, des étincelles, ou pas d'envie du tout d'ailleurs, hein, faire votre choix. Parce que là, on a parlé d'entreprises privées, d'entrepreneurs. On va passer au public maintenant, puisque la communication, ça peut être aussi de la communication publique. Et dans le service public qu'est le conseil départemental de la Gironde, collectivité territoriale, c'est aussi un service public que de faire de la communication publique. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment l'impression, le sentiment de participer à l'action publique girondine. Voilà. Même si c'est pas moi qui fais et c'est plutôt moi qui raconte ce que les autres font, je transmets en fait l'action publique, et c'est une forme aussi d'action publique. Voilà, donc le conseil départemental, peut-être que vous connaissiez le conseil général jusqu'en 2015. Et c'est là où ça a basculé et ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant le Conseil départemental de Gironde. On dit souvent le département de la Gironde. Le département de la Gironde, c'est quand même une collectivité territoriale importante. C'est le deuxième employeur de Gironde, hein, après le CHU, me semble-t-il. Donc c'est une boîte énorme. On est plus de 6900 agents. Situé à Mériadec, où se trouve la préfecture. C'est le département, d'ailleurs, qui accueille les locaux de la préfecture. Contrairement à ce qu'on pense, on pense souvent que c'est l'inverse. Et il y a plusieurs bâtiments. Évidemment, sur le site de Mériadec, on doit être 2500. Voilà. Donc, où sont les autres agents? Ils sont sur le territoire, sur le terrain, dans des maisons du département des solidarités, dans des maisons du département des mobilités, dans des pôles jeunesse territoriaux, sur toute la Gironde. Voilà. Donc il y a quand même une volonté forte sur ce département et sur les autres aussi, je pense, mais la Gironde est quand même le premier département de France en termes de superficie. C'est immense. Donc il y a cette volonté de proximité avec le citoyen. Pourquoi? Parce que là, on parle d'action publique, effectivement. Les patrons sont un peu des entrepreneurs publics, on va dire. Ce sont des élus qu'on élit au suffrage universel direct. Et les élus du département sont des binômes. On a été les premiers à faire on appelait ça les élections Shabada, puisque c'était un homme, une femme. Voilà. Il y a l'obligation que le canton soit représenté par un homme et une femme. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc on a 66 élus, 66 cantons, et le président du département, qui est Jean-Luc Glaise, depuis 2015. Voilà. Donc, au sein de ce département, l'avantage d'être dans une structure aussi grande, aussi importante, qui développe autant de compétences, c'est la possibilité de faire plusieurs métiers au sein de cette structure-là. Alors, certains d'entre nous sont fonctionnaires. Pour ma part, je suis en CDI. C'est-à-dire, je suis rentrée comme contractuelle, et puis au bout de 7 ans d'ancienneté, on peut obtenir un CDI. Voilà, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis assimilée à un contrat public, mais je ne suis pas fonctionnaire.
Je ne suis pas fonctionnaire non plus parce que... Enfin, il y en a à la direction de la communication, mais la direction de la communication au département se situe vraiment entre ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire les élus, et l'administration. On est un peu cette interface-là, c'est-à-dire il y a quand même une ligne politique, une volonté politique. Le département s'occupe à 50% de son budget de solidarité, de social, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, hein, et aux maisons de retraite, etc. Du revenu de solidarité active, le RSA, en passant par les routes, la voirie, le vélo avec les aménagements cyclables, jusqu'à la culture, le sport. Enfin, à peu près dans chaque moment de votre vie, vous pouvez avoir affaire au département. Voilà. Parce qu'on est vraiment sur tous les champs humains, les solidarités, ce qu'on appelle les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense que dans la tête de mon président, Jean-Luc Glaize, donc le boss, hein, le patron du département, élu, bien entendu, sur son territoire en Sud-Gironde, cette idée-là a germé et a fait son chemin. Et il s'est dit, effectivement, nous, département, nous sommes le garant des solidarités humaines et territoriales. Il faut que ça se sache. Il faut que les citoyens girondins le sachent. Donc peut-être que vous connaissez ce journal qui s'appelle Gironde Mag, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Girondins. Et ça fait du monde, hein. Je crois que c'est 800 000 exemplaires quand même. Donc ce journal-là existait depuis des années et lui s'est dit, je veux aussi parler aux élus des territoires, aux maires. On a quand même 535 communes en Gironde. Donc aux maires, aux conseillers municipaux, aux adjoints, aux conseillers métropolitains, aux conseillers régionaux, aux députés, aux sénateurs. Alors quand je dis ça, vous rendez compte des strates de la démocratie, de la République en France et de la décentralisation. Et cette volonté de parler à ces élus, elle n'est pas anodine, c'est parce que ce sont aussi des vrais relais sur ce que fait le département, parce que on aide les communes, on les accompagne en ingénierie de projet, financièrement, etc. Donc ces maires-là peuvent relayer ce qu'on fait. Et puis il y a aussi tous les acteurs locaux que sont les associations, les entrepreneurs aussi, les entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Tous ces gens-là sont des leaders d'opinion, enfin, sur le terrain, et il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise ce qu'on fait, il faut qu'on dise ce qu'on fait avec ces gens-là. Et donc, il a décidé de créer ce journal qui s'appelle Ressources et Territoires. Voilà, je vous le présente. Et qui n'est pas un journal que vous recevrez, vous, dans votre boîte aux lettres, mais en revanche, que les 11 000 élus girondins reçoivent, eux, dans leur boîte aux lettres, plus les associations, les acteurs locaux dont je vous parlais un instant. Dans ce journal, c'est pas forcément le département qui s'adresse à eux, c'est puisque on a pensé que ceux qui font sur le terrain sont ceux qui parlent le mieux de ceux qui font et de ceux qui font avec nous, département. Voilà. Donc, j'en suis la rédactrice en chef. Mais en fait, on va dire, pour faire court, je fais tout dans ce journal. C'est-à-dire que j'ai créé le projet éditorial que j'ai présenté aux élus et qui a été validé.
Et à partir de là, c'est parti, quoi. Quelle thématique on aborde par trimestre? Alors, effectivement, il y a un comité éditorial, hein, composé d'élus, de direction du département, de gens de la communication. Donc, on définit le thème. Et ensuite, bah, je pars sur les routes et je pars voir les gens en toute proximité. Et je vais faire des reportages, comme n'importe quel journaliste de Sud-Ouest, ou ben, je parle de Sud-Ouest parce qu'ici, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, à part les journaux locaux, comme Le Républicain, ou Haute-Gironde, ou Le Résistant. Mais voilà, c'est un journal institutionnel. J'avoue qu'on m'accorde une grande liberté dans les choix des articles, dans l'écriture. Les élus me font confiance, mais ça aussi, c'est une relation qui s'installe au fil du temps. Le journal existe maintenant depuis 5 ans. Je suis en train de travailler au 22e numéro, puisque c'est un trimestriel. Ça a été un peu chaotique aussi pendant la période Covid, mais on a inventé d'autres systèmes. Et pour pouvoir interviewer les gens, ben, j'ai fait de la visio, hein, comme vous tous et comme tout le monde, je crois. Il y a des choses qu'on a gardées de cette période-là aussi qui ne sont pas inintéressantes, voilà, dans notre manière de travailler. Je travaille avec la direction artistique de la direction de la communication, avec le directeur artistique, depuis 3 ans, ce qui fait que le journal a beaucoup évolué d'un point de vue graphique, parce que ça aussi c'est un métier de la communication, hein, le graphisme. Je trouve qu'il commence à prendre une allure de croisière intéressante, mais un peu ennuyante aussi. Donc j'ai envie de le faire évoluer, les élus aussi, et ça va continuer d'évoluer. Et on est en train de partir sur une espèce de communauté, en fait, de gens du territoire. Avec les mêmes problématiques, avec les mêmes solutions. On parle beaucoup de transition climatique, transition énergétique, etc. C'est un petit peu le journal de la transition du département. On porte quand même toutes ces idées-là. Et l'idée, c'est de faire évoluer dans cette communauté d'acteurs avec des vidéos, avec des podcasts, avec peut-être une communauté sur LinkedIn, puisque notre lectorat, il se situe quand même aussi là. Enfin, voilà, c'est un enfant de 5 ans, c'est le petit frère de Gironde Mag, on va dire, mais il n'a pas fini d'évoluer, et c'est ça qui est intéressant dans un projet éditorial presque tout neuf, quoi, finalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il existe sur le web, évidemment. Il y a un site internet, gironde.fr. Dedans, il y a toutes les publications. Je rentre moi-même chaque article sur le web. Je travaille avec la webmaster, je travaille avec la community manager. On voit ce qui est intéressant de valoriser, de faire ressortir sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. On est sur tous les réseaux sociaux. Récemment, on a accompagné une influenceuse au collège de Marsas, en Haute-Gironde, une jeune fille de 24 ans, qui a rencontré les collégiens. Et on a fait des vidéos sur TikTok, vous pouvez aller les voir, hein, sur le compte TikTok du département, sur Instagram aussi d'ailleurs. Et en fait, la communication, elle n'existe pas s'il n'y a pas de contenu, en tout cas pour ce genre de médias. Et c'est ça qui est riche et intéressant, c'est cette visibilité qu'on a dans ce genre d'institution assez énorme, sur tous les champs, tous les sujets. Nous, on est à la com, on est vraiment au cœur de ça, quoi. Et comment on va les valoriser? Mais toute idée est bonne à prendre. Donc on peut inventer parfois.
enfin, quand on m'a dit qu'il y avait une influenceuse qui allait venir, enfin, bon, j'ai pas votre âge. c'est, pour moi, c'est, on peut délirer aussi. Voilà, on peut tout inventer, même dans une collectivité territoriale où on pense que c'est très institutionnel, très balisé. C'est pas vrai. On invente aussi, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, je m'éparpille un peu, mais si je peux vous faire passer quelques idées, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est que j'écris, mais je raconte des histoires, parce que c'est ça hein, qui intéresse le lectorat, même les maires, hein, même les élus. C'est aussi qu'on leur raconte des histoires, le récit... des acteurs de leur territoire, les faiseurs. Donc j'écris, et ça c'est très important pour moi. Mais je filme aussi parfois avec mon téléphone. Par exemple, bah, je vais vous parler de cet été. Vous étiez sûrement en Gironde, ou même si vous n'y étiez pas, vous avez entendu parler des feux. Les feux sur La Teste et Villandreau, enfin Sud-Gironde et Bassin. Le premier feu en juillet, le second au mois d'août, encore un autre dans le Médoc au mois de septembre. Il faut savoir que le département est aussi compétent sur ce champ-là, puisque le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, comme son nom l'indique, dépend du département. C'est un des très gros budgets du département d'ailleurs, donc les pompiers dépendent du département et de son président Jean-Luc Glaise qui est en fait le président du SDIS également. Donc Jean-Luc Glaise, c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup sur le terrain. Si vous avez suivi les réseaux sociaux, il a raconté cette histoire-là aussi, il l'a très bien raconté, c'est une histoire assez effrayante. Effrayante déjà de loin, de chez soi, assez traumatisante à vivre de près, à vivre les décisions du colonel, des pompiers, et à vivre l'ambiance des postes de commandement, et aussi des postes de ravitaillement tenus par des bénévoles girondins. Donc, du jour au lendemain, on m'a dit, va faire des images, des films, va voir ce que tu peux aller chercher sur le terrain. Donc ça c'était le dimanche, et tous mes collègues étaient déjà sur le pont, l'attaché de presse. Ça, c'est un métier très intéressant dans la com, très prenant, très chronophage. J'en parle en connaissance de cause puisque j'étais attachée de presse du département avant de m'occuper de cette revue. Donc après, quand on se parlera, si vous restez avec nous, on pourra parler aussi d'autres métiers. Donc l'attaché de presse était sur le pont depuis 5 jours. C'était le 18 juillet, ça a été le lundi noir pour les feux. C'est-à-dire où les vents étaient tournants, enfin c'était terrible quoi. À vrai dire, que ce soit les pompiers, les gendarmes, tout le monde était assez perdu. Alors là, pour le coup, il y avait une matière forte. Et il fallait pouvoir raconter cette histoire-là. Il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières. Il s'agit de montrer ce que faisaient les pompiers pour protéger les gens. Ça, c'est leur mission première. Pour protéger les biens, c'est-à-dire les maisons. Et il y a eu très peu de maisons qui sont parties en fumée. Il y a eu 0 victime. Donc ils ont fait un travail quand même remarquable. Et c'était ça qu'il fallait montrer avant tout. Et aussi cette force de solidarité qui s'est passée avec des gens comme vous et moi qui se sont dit il faut aller aider quoi. Voilà. Et bah, donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée faire des reportages. 2 minutes. Sur le terrain, je suis allée rencontrer tous ces gens-là, des pompiers, des conducteurs de drones, ceux qui conduisaient, enfin qui pilotaient les Canadair,
J'ai fait aussi le reportage d'une jeune pompier d'une vingtaine d'années, infirmière, pompier volontaire. Et elle poussait des roues deux fois comme elle. Voilà, je peux faire ça aussi. Donc je vois pas tellement comment on peut s'ennuyer dans ce métier-là, en fait. On est en contact de l'actu, mais aussi on est au contact de sujets de fond. On parle avec les gens. Enfin, voilà, c'est très humain. C'est du lien tout le temps. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai pas tellement l'impression de faire la communication, en fait. Si je peux me permettre de dire ça à des futurs communicants. Parce que je ne suis pas moi-même formée à la communication au départ, pas du tout. Tous les mots qu'a employé tout à l'heure Laurie en anglais, je ne peux absolument pas vous dire du tout ce que ça veut dire. Je ne connais pas ce langage. Donc je ne pourrais pas enseigner cette partie-là dans la communication. Voilà, donc la communication, c'est vaste, en fait. C'est très vaste. Et il y a aussi ça. Et en tout cas, c'est cet aspect-là qui me plaît. Voilà. Et j'espère vous avoir transmis un petit peu de mon intérêt et de ma passion pour ce métier-là. Tant qu'à faire, ce journal Revue de l'innovation locale, il est là aussi pour donner des solutions. C'est vraiment du partage d'expériences, en fait. Les élus parlent aux élus, les acteurs locaux parlent aux élus, les élus parlent aux acteurs locaux. Enfin, voilà, chaque article raconte un projet, comment il est monté, la méthodologie. Et l'élu peut se dire, ah, justement, moi, dans ma commune, j'avais ce projet-là. Sur l'eau, sur le foncier, sur l'habitat, sur des problématiques quand même importantes, quoi, et quotidiennes pour un élu local, qui est un maire, qui est confronté à tous les sujets, un maire. Le citoyen peut venir frapper chez lui en pleine nuit parce qu'il a un souci dans une petite commune de 400 ou 600 habitants, quoi, voilà. Donc ce journal, il essaie d'y répondre et d'expliquer ce que fait le département aussi à travers ces projets-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc c'est toujours un peu plus technique quand même. Les articles qu'on va trouver dans Gironde Mag, par exemple, qui s'adressent à nous tous, on va parler de ce qui concerne le citoyen dans son quotidien. Là, je parle de ce qui concerne l'élu dans son quotidien. Néanmoins, et j'essaye de toujours tirer vers ça, c'est que n'importe qui puisse le lire aussi et y trouver un intérêt. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission sur France Inter Carnet de campagne. Vous êtes sûrement en cours à ce moment-là, c'est vers 13h, je crois. Mais c'est vrai que c'est une émission, une vieille émission. C'est une journaliste maintenant. Et cette journaliste se déplace, ou pas forcément, ou appelle au téléphone des porteurs de projets, ce qu'on appelle des porteurs de projets sur les territoires de France et de Navarre. Et je trouve que Ressources et Territoires, ça ressemble un petit peu à cette émission. Vous la connaissez? Non? Oui. Ouais, c'est une émission de boomer, en fait, c'est écrit là. À ma place, en plus. Ok, boomer. Voilà, non, mais il y a des choses comme ça, des podcasts. C'est assez intéressant à écouter parce que j'en reviens à ça, mais je pense que la communication, c'est aussi l'histoire qu'on raconte, ça c'est sûr et certain. Ça part de là, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Je vais vous révéler donc d'où je viens.
Alors, je ne viens pas de Gironde, déjà. Je viens de Lille, enfin, un petit village à côté de Lille, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, pardon. Et après le bac, j'ai passé un concours. C'était la première école de tourisme qui ne soit pas privée. À l'époque, il y avait toutes ces écoles Thunon, etc., pour être hôtesse de l'air. Hein. Ce n'était pas du tout ça que je voulais faire, évidemment. Donc, j'ai passé le concours de l'École nationale de commerce de Paris, boulevard Bessières. Elle existe toujours, je pense. Là, j'ai passé un BTS tourisme, administration et développement. Donc on avait des cours d'aménagement du territoire, etc. Ce qui m'a permis d'avoir une équivalence en DUG. Ça n'existe plus, évidemment. Hein, c'est ça. Bac plus 2. Et de rentrer à la Sorbonne. À l'Institut de géographie de la Sorbonne pour faire une maîtrise d'aménagement et urbanisme. Donc j'ai spécialisé en fait sur l'aménagement et l'urbanisme, mais j'avais quand même tout ce background tourisme, une maîtrise, ben c'est un master on va dire, voilà. Et mon premier poste, j'ai été recrutée à Pauillac, en Gironde, donc dans le Médoc, pour diriger la régie municipale d'animation et de promotion. Alors, en fait, c'était pour diriger les équipements culturels et touristiques de Pauillac, c'est-à-dire la maison du tourisme et du vin, on y revient, le cinéma, parce qu'il y a un cinéma à Pauillac, le port de plaisance, le camping, le centre culturel, et j'avais à peu près 23 ans, quoi. Donc je ne connaissais pas la Gironde et ça a été assez incroyable. Une confiance du maire, parce que j'étais recrutée par le maire, André Caz à l'époque, la famille Caz, et qui m'a vraiment fait confiance. Et j'y suis restée pendant 10 ans et je crois que là, j'ai tout appris en fait. De l'action publique, évidemment, c'était quand même une commune. Donc j'y suis restée 10 ans. Ensuite j'ai travaillé dans la culture à Blanquefort pour les colonnes, par exemple. Je fais de la médiation culturelle. Ensuite pour plus la littérature, dans une association bordelaise également. Puis rupture de parcours professionnel, enfin, en tout cas. Un changement lié aussi au parcours personnel, évidemment. C'est toujours comme ça, hein, il n'y a rien de linéaire. J'ai traversé l'Atlantique et je suis partie vivre en Martinique pendant 4 ans. Et ben là, j'ai travaillé aussi, mais plus rien à voir. J'ai fait du fret maritime. Donc là, je travaillais dans le privé. Donc, toujours un peu dans les voyages de bateau. Enfin, c'est quelque chose... Et puis je suis revenue et je suis rentrée au département de la Gironde. Et là, j'ai été recrutée sur un poste à l'agence de développement territorial. Donc on revient à l'aménagement et l'urbanisme. Et je faisais du conseil aux maires, aux élus. Puis attachée de presse. C'est-à-dire que le président est venu me chercher, m'a demandé d'être attachée de presse. Ensuite, j'ai été chargée du protocole et des événements, toujours au département. Donc, j'ai fait de nombreux métiers au sein du département. Ça, c'est Jean-Luc Glaise, déjà. Alors, j'ai pas fini. C'était pas encore Jean-Luc Glaise, c'était Philippe Madrelle. Puis, Jean-Luc Glaise est arrivé en 2015. J'étais attachée de presse à nouveau. Et c'est à ce moment-là, 2 ans après, où il m'a dit qu'il voulait créer ce journal pour les élus. Et il me l'a proposé. Et finalement, une parfaite synthèse de tout ce que j'avais fait, puisque dans ce journal, on est dans l'innovation locale, dans l'aménagement, dans toutes ces thématiques qui préoccupent les élus. Travailler avec les élus sur l'action publique, le service public, et enfin
Bon, dans tous ces métiers-là, il y avait quand même un peu de communication à chaque fois. Enfin, dans les communes, on fait de tout aussi. Quand je travaillais à Pauillac, à la Maison du Tourisme et du Vin, je faisais de la communication, de l'animation, de l'événementiel, enfin, de la gestion de projet. Donc, voilà, tout ça est plus ou moins condensé maintenant dans ce que je fais, on va dire. Donc, j'ai pas de formation de communication, en revanche. Ça, c'est sûr. Donc... Comme quoi, pourquoi pas. Comme quoi, des passerelles sont possibles à tout moment dans la vie. Oui, on arrive à les trouver. En tout cas, c'est quand même pour moi, une trajectoire qui a du sens. Enfin, je m'y suis retrouvée à chaque fois et je m'y retrouve encore aujourd'hui. C'est une trajectoire. Mais c'est pas un aboutissement, ça peut encore changer, même si je suis la doyenne de cette table et je pense que je me rapproche de la retraite. Enfin, j'espère. Un jour. Mais voilà, je pense aussi que c'est important d'évoluer et d'apprendre. Finalement, j'apprends toujours. Hein, faire un podcast, je n'ai jamais fait. Mais c'est pas grave, je vais aller me former et puis on va y arriver. Voilà, c'est ça l'intérêt, quoi. C'est de toujours apprendre. Effectivement, les métiers... Il y a plein de métiers stressants, très certainement, mais l'événementiel, c'est particulièrement stressant. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est à ce moment-là où ça a été le plus difficile pour moi. Physiquement, moralement, enfin, tout, dans l'impact aussi que ça a dans sa vie familiale, personnelle. C'est pas facile. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est super, parce que, pour ma part, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Ségolène, qui a l'air pas trop mal navigué, moi, non. Non, je ne veux plus. Donc, finalement, je fais quand même un métier avec des convictions. Il y a des convictions très fortes aussi derrière ce métier-là. Oui, c'est stressant parce qu'il y a du timing. Il y a un BAT, hein, là le 7 décembre, c'est le BAT du numéro, il faut que ce soit terminé, c'est comme ça. Donc ça part à l'imprimerie, j'ai pas le choix. Mais ce n'est pas le stress de l'attaché de presse, ce n'est pas le stress de l'événementiel, du protocole, où là on est vraiment la vitrine vivante de la collectivité ou de l'entreprise. Enfin voilà. Là il y a quand même ce recul de l'écriture qui est différent. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'on gère de mieux en mieux avec l'âge. Moi, je le pense. C'est surtout le rapport au temps qu'on gère différemment, je pense. Et voilà. Aujourd'hui, je trouve que... Enfin, je laisse la place aux jeunes pour les attachés de presse, l'événementiel, etc. Allez-y, quoi. Moi, je n'irai plus. Non, mais il faut une véritable énergie. Enfin, on est sur le pont tout le temps, le week-end, même en collectivité. Hein. Et ouais. Mais c'est super métier. Hein. Finalement, soyez curieux de tout, de tout le monde, enfin des autres aussi. Ouais. Il me semble que finalement, je voulais féliciter aussi les organisatrices de ce petit rassemblement. C'est vrai, on peut les applaudir. Et aussi sur la pertinence du choix des invités.
si je peux me permettre. Mais c'est vrai, je trouve que on est à la fois sur les mêmes champs et pas sur les mêmes champs. On est effectivement sur le champ de la communication, mais avec des aspects très différents. Et c'est pas mal, je trouve, pour vous aussi de voir tout ça, le privé, le public, le commercial, le politique, la politique hein, aussi, enfin voilà. Et on est aussi dans un moment, ce moment de transition dont je parlais tout à l'heure, où tout ça est tellement important. Je ne veux pas vous mettre de pression sur le choix, mais forcément, ça va inspirer vos choix. Et je trouve qu'on est trois personnes assez complémentaires, quoi. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute.